les sœurs d'Orléans, est-ce que vous pouvez venir l'entourer et prier pour lui? Ce que je ressens. Vous avez une grâce. Venez entourer ce frère et priez pour lui, s'il vous plaît. Tu le veux, hein, mon frère? Ah oui. Même si c'est chez nous, là, il n'y a pas de. Hein, ni grec, ni homme, ni femme, tout ça, tu vas voir. Amen. Elles vont simplement t'entourer et prier. Voilà, j'ai prié pour toi. Tu le vois. Tu peux venir prier encore pour elle. Alléluia. Voilà, tu peux marcher maintenant, mon frère. Bah oui, mon frère, les femmes ont prié pour toi, les femmes de Dieu. Maintenant, tu peux marcher. Laisse. Vas-y. Alléluia. Oh, tu es là. La puissance de la guérison. Alléluia. Comment tu dis? C'est la réponse. La réponse. Ce sont des filles qui, des filles d'Abraham qui ont été blessées, cassées à Orléans. Dieu m'a dit, appelle-les. Je veux confirmer l'appel que j'ai mis sur elles. Alléluia. Voici la gloire sur vous. Jesus Christ. Alléluia. Elles sont ni prophétesses ni apôtresses, enfants d'Abraham, qu'on a écrasé, minimisé. Voilà. Le frère a lâché sa béquille. Et c'est pas Chora qui a prié. Des femmes. Il y a femmes et femmes. Alléluia! Jesus. Viens prier pour la. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le message que nous prêchons, le retour à la parole, c'est quoi? Ce n'est pas que vous soyez focalisé sur un homme, sur tout ça. Non. C'est pour vous dire, nous sommes tous délivrés. Amen. Vous avez l'onction, vous avez l'esprit. Il y a, ne soyez plus intimidés par les titres. Priez, prêchez l'évangile partout, l'évangile. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Donc ici, là, on se laisse guider. Ne croyez pas qu'il faut que ce soit toujours moi qui impose les mains. Les femmes, les hommes qui sont ici, qui aiment le Seigneur, ont la grâce. Amen. Voyez, Dieu travaille.